فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons voir la dernière partie du commentaire et du tafsir de Sourate An-Nas. Et nous étions en train d'expliquer ce que sont les insufflations de Shaitan, l'waswasa. Donc on a dit que Allah Azza wa Jal a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Nous avons expliqué ce qu'est l'waswas au niveau étymologique, donc au niveau littéraire. Et on a expliqué que comment Shaitan a commencé à opérer cette ruse depuis le début, depuis qu'Allah Azza wa Jal créa Adam. Et donc c'est là où il a commencé à insuffler à Adam et à Hawa certaines idées pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi qu'ils ont consommé de l'arbre interdit, parce qu'il leur a promis qu'en consommant de cet arbre-là, ils seront éternels et ils seront des anges. Et Allah Azza wa Jal justement nous met en garde contre ce waswas-là pour qu'il ne se répète pas avec nous. Autant Allah Azza wa Jal a montré à Adam une formule par laquelle il demande pardon à Dieu, فَتَلَقَى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, autant Allah Azza wa Jal nous montre une formule pour nous préserver à l'avance de l'waswasa de Shaitan pour ne pas y tomber. L'waswasa, comme on a dit, ce sont des paroles que Shaitan insuffle dans l'âme de la personne, dans la personne, sans que cette personne-là ne sente qu'il est en train de dialoguer avec Shaitan. Il ne sent pas que Shaitan est en train de lui parler. Et c'est pour ça qu'on dit le waswasa, donc c'est le chuchotement, c'est le fait de transmettre des paroles sans que les autres ne les écoutent. Et d'ailleurs, en général, celui qui profère le mal, celui qui conseille le mal, fait toujours attention de ne pas être entendu par l'entourage et de n'être entendu que par son interlocuteur. C'est exactement ce qui se passe avec Shaitan, sans que nous nous rendions compte qu'il est en train de nous parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cette force de Shaitan, et on va voir qu'il est faible en fait, mais sa détermination de tout faire pour égarer l'être humain. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Anas ibn Malik radiallahu anhu, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait une retraite spirituelle dans la mosquée, ce qu'on appelle l'i'tikaf. Donc il observait l'i'tikaf dans la mosquée, il avait l'habitude de le faire notamment lors des derniers jours du mois du Ramadan. Et donc son épouse Safiya bint Huyay est venue le voir. Peut-être qu'il lui a ramené à manger, peut-être qu'il voulait lui parler. En tout état de cause, elle est venue à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec elle dans un coin de la mosquée. Et au moment où il a terminé de discuter avec elle, il l'a accompagnée donc jusqu'à la sortie de la mosquée. Et au moment où il allait lui faire les adieux, là il y a deux ansarites qui sont passés par la mosquée, devant la mosquée. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un regard un petit peu rapide, ils ont accéléré le pas. Ils se sont empressés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « ala rislikuma », ça veut dire « attendez, il s'agit de Safiya bint Huyay », ça veut dire « il s'agit de mon épouse, c'est avec elle que je suis en train de discuter ». Donc, et eux ils ont compris en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de leur dire « ne pensez pas que je suis en train de discuter avec une femme qui m'est étrangère, ce n'est que mon épouse ». Parce qu'il a vu que dans leur regard, le fait qu'ils aient retranché rapidement le regard, et qu'ils aient accéléré, c'est comme si ils ont pensé qu'il est en train de parler à une étrangère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que cette idée-là s'infiltre dans leur cœur. Donc il a dit ala rislukuma inna Safiyyah bint Huyay, et eux ils lui ont dit subhanallah ya rasulullah, ça veut dire pourquoi tu nous le dis, on n'a pas douté
de ta bonne foi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Inna shaytana yajri min al-insani majra dam » Satan court dans l'être humain comme le sang, et dans une version « majra dam min al-uruq » comme le sang dans les veines. Et j'avais peur qu'il insuffle dans votre cœur un mal, ou dans une version, il dit, ou une chose. J'avais peur qu'il insuffle dans votre cœur un mal. Ça veut dire de penser quelque chose qui n'est pas réel. Alors donc, lorsque le professeur Asm a dit cette confirmation-là, Satan court dans l'être humain comme le sang, nous savons très bien qu'il n'y a pas un endroit ou un organe ou un morceau de peau chez l'être humain sans qu'il ne soit irrigué par le sang. Le sang, quelque part, envahit l'être humain. Le sang enrobe l'être humain de tout part. Ben, c'est ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains qui ont compris ce hadith-là, non pas dans son sens métaphorique, mais dans son sens réel, dans le sens où Shaitan court vraiment dans les veines. Ça veut dire qu'il est comme les globules rouges, comme les globules blancs, et il court dans les veines. Mais la majorité des savants disent qu'il faut le comprendre dans le sens figuré. C'est que le sang envahit tout l'être humain, il ne laisse pas, il enrobe l'être humain, il s'empare quelque part de l'être humain, et Shaitan aussi. Et quelque part, l'être humain ne peut pas se passer de la circulation sanguine. Le sang coule tout le temps. Ça veut dire que Satan aussi ne s'arrête pas. Il est toujours en train d'insuffler le mal tout le temps à l'être humain. Il ne le lâche pas. Donc là aussi, on peut le comprendre de cette manière. Qu'il a une certaine domination sur lui, on peut le comprendre de cette manière. Ou qu'il ne le lâche pas, exactement comme le sang ne quitte pas l'être humain jusqu'à ce qu'il décède. Omar, radiallahu anhu, dit une parole concernant cette remarque. Il a dit « Man arrada nafsahu lituhmati, fala yalumanna man asa'ab dhannabih » Celui qui se met dans une situation douteuse, qu'il ne se plaignit pas de celui qui a eu un doute le concernant. Là, le prophète Sassim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a protégé. D'abord, il s'est protégé. Il s'est protégé parce que s'il n'avait pas dit ce qu'il a dit, il se peut que ces gens-là auraient pu penser du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auraient pu être victimes de shaitan. Donc le musulman doit toujours se mettre dans des situations où il est loin du doute. Ne te mets pas dans une situation où tu es dans le doute. On te trouve à l'intérieur d'un bar. Et après tu dis, je suis rentré seulement pour boire un verre d'eau. Tu n'avais pas à te mettre dans cette situation. On te trouve renfermé avec une femme tout seul. Tu n'as pas à te mettre dans ce genre de situation pour que justement les gens ne doutent pas de toi, pour ne pas être une aide à Satan contre tes frères ou tes sœurs. Alors ce hadith montre que Satan a une facilité à dominer l'être humain sans que celui-ci ne s'en rende compte, et d'où la nécessité de s'immuniser contre lui et d'aider les autres à ne pas tomber victime de ses insufflations. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Uthman ibn Abi al-As, ce dernier dit « Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Satan s'est interféré entre moi et ma prière et ma lecture en me trompant. » C'est-à-dire au moment où je vais faire ma prière, où je lis le Coran pendant ma prière, Satan s'interfère entre moi et ma lecture et entre ma prière. Ça veut dire que je réfléchis à d'autres choses qu'à la prière. Je ne me concentre pas dans ma prière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ceci vient d'un Satan qui s'appelle Khanzab. Ceci vient d'un Satan qui s'appelle Khanzab. Lorsque tu ressentiras la prochaine fois ceci, demande protection auprès de Dieu contre lui, puis postille ou souffle trois fois sur ta gauche. Ça veut dire « Di a'udhu billahi minash shaitanir rajim » sur ton côté gauche. Même en plein prière, tu peux le faire. Il dit « J'ai alors appliqué ce conseil et Allah l'a éloigné de moi. » Donc ce compagnon a dit « J'ai appliqué le conseil du prophète, mais Allah a éloigné de moi justement cette insufflation satanique. » Donc ceci montre aussi que Shaitan a parmi les siens certains qui sont spécialistes dans certains domaines. Comme ce Khanzab-là, Hada, il est spécialiste dans la prière. Alors, est-ce que c'est plusieurs qui s'appellent Khanzab? Est-ce que c'est un seul et qui peut insuffler le mal chez tout le monde pendant leur prière? Donc ça, on ne sait pas. Mais en tout état de cause, le prophète Azam a cité dans ce hadith authentique le nom de celui-ci.
La demande de protection auprès de Dieu contre Satan est le meilleur moyen pour se préserver des insufflations sataniques. Et d'ailleurs, c'est l'explication du mot al-khannas. Al-khannas, on a dit al-khannas en langue arabe, c'est celui qui recule rapidement, celui qui est furtif, celui qui devient petit. Et donc, Shaitan, il ne faut pas croire qu'il a une grande domination, on va le voir, mais lorsqu'il veut s'emparer de l'être humain, lorsqu'il veut lui insuffler, il suffit que le croyant dit « A'udhu billah min shaitan rajim » ou il dit « Bismillah » pour que Shaitan yakhnas, pour qu'il recule et qu'il ne l'attaque plus. Le Bukhari rapporte sur Sulayman ibn Surad, radiyallahu anhu, qu'il dit « J'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que deux hommes s'insultaient mutuellement. L'un d'eux avait le visage rouge, ça veut dire que la colère était vraiment fulgurante. L'un d'eux avait le visage rouge et les jugulaires gonflés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je connais une parole qui, s'il la prononce, si cette personne-là qui est en colère la prononce, je connais une parole qui, s'il la prononce, il n'aura plus ce qu'il a. Il ne sera pas dans l'état où il est maintenant. S'il disait, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, je demande refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit. Tout ce qu'il ressent partirait. Et donc, ceux qui étaient avec le professeur Asm ayant entendu cette parole-là, ils sont allés voir cet homme et ils lui ont dit, voici ce que te dit le professeur Asm. Dis, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Et lui, comment il s'est contenté de leur dire, wa hal bi junun, croyez-vous que je suis fou, que j'ai de la folie? Donc, quelque part, il n'a pas voulu entendre le conseil que lui a prodigué le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de ses compagnons. Donc, cette formule-là montre qu'elle peut apaiser la personne lorsqu'il rentre dans une colère rouge, elle peut refouler le shaitan et elle peut faire triompher le croyant de le shaitan. L'isti'ada, A'udhu billahi minash shaitan rajim, ou bien tout simplement la mention de Dieu, le fait de dire Bismillah, est mieux que d'insulter le shaitan. Il y a certains qui prennent l'habitude d'insulter le shaitan ou de maudire le shaitan. Et d'ailleurs, lorsque tu vois quelqu'un qui est en colère, tu commences à lui dire N'al shaitan, l'an shaitan, maudit shaitan. Et lui, il te répond, ça c'est une pratique courante chez nous, et lui, il lui dit que Dieu le maudit, c'est le rendre petit. Et cette pratique-là n'est pas acceptable en fait. Il ne faut pas maudire Shaitan, mais il faut dire Bismillah. Il faut évoquer Allah Azza wa Jal. Parce que lorsque tu le maudis, c'est comme si tu dis que Shaitan s'est emparé de toi et qu'il a un pouvoir sur toi. Et ceci, quelque part, va plaire à Shaitan. Parce qu'il va dire, ben, j'ai du pouvoir sur cet homme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous a mis en garde contre cette manière de faire. L'imam Ahmed rapporte qu'un homme était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et c'est alors que l'âne trébucha et l'homme dit Ta'isa shaitan. Donc lorsque l'âne trébucha, lui il a dit Ta'isa shaitan. C'est-à-dire, c'est comme s'il a dit malheur à Satan. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ne dis pas malheur à Satan, car si tu dis cela, Satan se sent grandi à ses yeux. Il se croit donc grand. Satan se sent grandi à ses yeux et dit j'ai triomphé de lui par ma force. Alors que si tu dis Bismillah, il se sent petit jusqu'à être plus petit que la mouche. Donc au lieu de dire Laïna al-Shaitan, dis Bismillah. Ou A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Je demande protection auprès de Dieu plutôt que de l'insulter directement. Donc c'est la sunna à respecter, c'est la convenance à respecter. Si jamais on est dans une situation où on doit se protéger de Shaitan. Bien qu'il mérite la malédiction, bien entendu, lui, il le mérite la malédiction, mais au lieu de le maudire, le mieux à faire, pour ne pas lui donner l'impression qu'il est plus fort que toi, le mieux à faire, c'est d'évoquer Allah Azza wa Jal. Il suffit donc de mentionner Dieu ou l'invoquer pour que Satan s'éloigne. Et à ce sujet, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum a dit « Inna shaitana jathimun » على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. Donc il dit le diable est penché sur le cœur du fils d'Adam. S'il est insouciant et distrait, le diable insuffle. Et s'il évoque Allah, le diable se dégonfle. Donc Shaitan, comme on a dit, il ne lâche pas le fils d'Adam.
Donc de deux choses l'une, ou bien ce dernier invoque Allah Azza wa Jal, et dans ce cas-là, le shaitan reste petit, ou bien dès qu'il tombe dans l'insouciance ou dans la distraction, là, shaitan souffle en lui, bien entendu, des mauvaises idées. C'est ainsi qu'on comprend ce pourquoi Allah Azza wa Jal qualifia al-shaytan de al-khannas. C'est-à-dire qu'il est faible et qu'il recule, il est furtif, il est fouillard. Et la foi en Dieu, l'évocation de Dieu, la remise, tawakkul ala Allah, la remise confiante en Dieu, sont les moyens, les meilleurs moyens pour fragiliser al-shaytan. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, donc voilà, celui qui ne mentionne pas Dieu, celui qui n'évoque pas Dieu, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc, dhikr, selon ce verset, dhikr fait échapper à Shaitan. Allah Azza wa Jal dit, en s'adressant à Shaitan, « Inna ibadi laysa laka alayhum sultan illa mani taba'aka min al-ghawin. » Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc ceci aussi montre que l'autorité de Shaitan, elle est faible. « Laysa laka alayhum sultan. » Tu n'as pas de pouvoir sur mes serviteurs, sauf ceux qui, bien entendu, t'écoutent et qui te suivent. Allah Azza wa Jal dit aussi, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Certes, la ruse du diable est faible. Donc de tous ces versets-là, on comprend donc que Shaitan est faible. Il ne faut pas lui donner une importance qu'il ne mérite pas. L'importance qu'on lui donne, c'est dans le sens où on se préserve de lui, on reste méfiant de lui, on reste sous nos gardes. Mais il ne faut pas lui attribuer ce qu'il n'est pas capable de faire. Vous avez des gens qui sont qui considèrent que Shaitan a une emprise sur leur vie, telle que dès qu'il leur arrive un malheur, Shaitan m'a fait quelque chose. Ils ne trouvent pas de travail, Shaitan m'a fait quelque chose. Il y a un djinn qui m'a fait quelque chose. Ils ne se marient pas, un djinn m'a fait quelque chose. Il se dispute avec sa femme, un djinn lui a fait quelque chose. J'ai perdu de l'argent, un djinn m'a fait quelque chose. J'ai fait un accident de voiture, un djinn m'a fait quelque chose. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la demande des musulmans de Ruqya, et on reviendra à ce sujet lorsqu'on parlera de Surat al-Falaq, de Ruqya, pour voir que c'est très grave. Cette situation d'attribuer à Satan un pouvoir qu'il n'a pas en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On n'a jamais vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois lui dire « Fais-moi une ruqya contre Shaitan, j'ai ceci, j'ai cela. » Le croyant doit avoir confiance en lui d'abord, doit avoir confiance en Allah sabaraka wa ta'ala, doit accomplir ses devoirs, la lecture du Coran, le rappel, les prières, préserver ses prières, l'isti'ada, et là il doit être confiant et doit savoir que Shaitan ne peut pas s'emparer de lui, Shaitan n'aura pas de pouvoir sur sa vie. Donc il ne faut pas qu'on ait toujours cette tendance-là d'attribuer à Shaitan une puissance qu'il n'a pas dans la réalité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dire cela, Allah Azza wa Jal, donc lorsqu'il dit « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ » On a dit que l'ouest-ouest, selon la majorité des savants, veut dire « shaitan » et non pas l'insufflation. C'est tellement il fait l'insufflation qu'on l'appelle « l'ouest-ouest », qu'on l'appelle l'insufflation lui-même. Alors Allah Azza wa Jal dit ici qu'il faut demander protection auprès de lui contre le mal de l'ouest-ouest. Contre le mal de l'ouest-ouest. On peut le comprendre l'ouest-ouest comme Satan ou comme son insufflation. Alors si on comprend dans le sens que c'est l'insufflation de shaitan, il aurait pu dire « min qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min al waswas al khannas min al waswas al khannas. Je demande protection de Dieu contre le waswas. Or là Allah Azza wa Jalla a rajouté le mot sharri. Je demande protection auprès de Dieu contre le mal de al waswas. Selon certains savants, le mal de l'waswas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'waswas n'est pas toujours un mal. Il y a un waswas qui n'a aucun impact négatif sur la personne,
Mais nous, on demande protection contre le waswas qui peut avoir un impact négatif. Le waswas peut avoir même un impact positif sur le musulman. La preuve, on l'a cité dans le hadith qu'on a cité la dernière fois, lorsque des gens sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, cher prophète, nous pensons parfois à certaines choses qu'on n'ose même pas raconter, c'est-à-dire concernant Dieu. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Dhalika sarihul iman », ceci c'est la preuve même de la bonne foi, ceci est la preuve même d'une foi solide. Ça veut dire, lorsqu'ils ont dit, on pense à certaines choses qui sont graves, ça c'est du waswas. Mais est-ce que c'est un mauvais waswas dans ce cas-là? Puisqu'ils ne sont pas allés loin dans la réflexion, ce waswas-là est devenu une preuve d'une foi inébranlable chez eux. Dalika sarihul iman. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un est venu lui dire la même chose, à peu près la même chose, il lui a dit « Alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa » Louange à Dieu qui a limité la ruse de Shaitan al-waswasa. Ça veut dire sa ruse aurait pu être pire, mais heureusement qu'elle s'est limitée seulement à l'waswasa. Ça veut dire l'waswasa, ça veut dire une mauvaise idée qui est passée comme ça par l'esprit, mais le croyant ne l'a pas plantée dans son esprit, il ne l'a pas fait germer et il ne l'a pas traduit dans son action, ni dans sa parole, ni dans sa vue, ni dans son mouvement. Donc elle est passée par là et il est parti. Ça veut dire qu'on peut avoir des mauvaises idées qui passent par notre esprit. Le mal n'est pas là. Le mal, c'est de s'attarder sur ces mauvaises idées et de commencer à les imaginer et de les traduire. N'importe qui peut avoir dans son idée, à un moment, voilà, je vais retarder ma prière, je ne vais pas la faire tout de suite, ah, la prière me fatigue, ou même parfois des questions par rapport à Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, les compagnons l'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, penser faire du mal, penser faire un péché, penser ne pas faire une observance religieuse. Donc ce sont des idées qui peuvent venir comme ça et qui sont furtives. Mais dans ce cas-là, ça s'appelle l'ouest-ouest, mais qui n'a pas de mal. Parce que le croyant, quelque part, est solide. Et on va comprendre dans la suite des versets. Mais le char de l'ouest-ouest, c'est lorsque cette idée-là commence à écorcher l'esprit du musulman, commence à laisser un impact négatif dans l'esprit du musulman. Et c'est de cela dont on demande la protection de Allah Azza wa Jalla, alors que le waswas, il nous est inévitable quelque part. Il nous est inévitable. Tout le monde va être touché par le waswas. Alors, min sharri al-waswasi al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, qui souffle le mal. Alors, si on considère que c'est le waswas, c'est Satan qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. الذي يوسوس في صدور الناس. Dieu aurait pu dire الذي يوسوس في قلوب الناس. Est-ce qu'il y a une différence entre صدور et le قلوب? صدور, ce sont les poitrines. Le قلوب, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la poitrine. Alors pour certains savants, il s'agit de la même chose. الصدر ou le قلب, c'est exactement la même chose. Mais tellement le mot le قلب a été utilisé dans le Coran qu'on aurait pu s'attendre à ce que Allah Azza wa Jalla mentionne ici le قلب. Alors qu'il a mentionné sadr, il a mentionné le poitrine. Pourquoi? Alors certains savants disent qu'il y a une nuance entre les deux. Le sadr, la poitrine, c'est le réceptacle de l'qalb. Et l'qalb représente quelque part le noyau, le centre de réflexion de l'être humain. Ce centre sur lequel il va être jugé. L'qalb, c'est la chose la plus importante. C'est avec l'qalb quelque part qu'on écoute, c'est avec l'qalb qu'on raisonne, c'est avec l'qalb qu'on décide, c'est avec le qalb qu'on a qu'on formule la volonté. Mais sadr, quelque part, c'est l'entourage de le qalb. C'est comme la zone périphérique de le qalb. Tu n'es pas encore entré dans le qalb. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit Alladhi waswisu fi sudurin nas, ça veut dire que Shaitan, il accomplit le waswasa, non pas dans le qalb lui-même, dans le cœur lui-même, mais à l'extérieur de le qalb, dans la périphérie, qui a été représentée dans ce verset-là par la poitrine. D'accord? C'est au moment où l'waswasa entre dans le cœur qu'elle va avoir un mal. Tant qu'elle est à l'extérieur, il n'y a pas de mal. Tant qu'elle est seulement dans la périphérie, dans l'entourage, il n'y a pas de mal. Dès qu'elle rentre dans le cœur, là, il y a mal. Et c'est pour cela que Allah aurait choisi
la le mot poitrine plutôt que al-qalb. Ça veut dire qu'il est en train de dire tout le monde est concerné par cette waswasa au niveau de la périphérie de son cœur. Mais les croyants qui sont immunisés par dhikr, qui sont immunisés par l'isti'adha, qui sont immunisés par la prière, par le Coran et ainsi de suite, had waswasa ne rentre pas dans le cœur. Le shaitan il accomplit waswasa à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. En fait, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le cœur à une maison. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Satan ne rentre pas, ou bien Satan, lorsqu'on lit surat al-Baqarah dans une maison, Satan fuit la maison, il ne rentre pas dans cette maison-là. Donc c'est quelque part, c'est exactement la même chose. Celui qui remplit son cœur par dhikrullah, qui remplit le cœur par la foi en Dieu, par la remise confiante en Dieu, c'est exactement comme celui qui a récité surat al-Baqarah à l'intérieur de sa maison. Donc Shaitan fuit la maison et ne rentre pas dans l'intérieur de la maison. Donc Shaitan aussi ne rentre pas dans le cœur de la personne qui est protégée, mais il se contente d'insuffler le mal dans l'entourage, dans la périphérie, ça veut dire seulement dans Sadr. Mais le croyant ferme les portes de son cœur contre ce mal-là pour qu'il ne pénètre pas. Et d'ailleurs, Al-Ghazali, si vous vous rappelez du premier cours qu'on a fait concernant Ulumuddin, il compare le qalb comme une forteresse. Il dit le qalb du croyant, c'est comme, ouais, d'un être humain, c'est comme une forteresse avec plusieurs portes. Et Shaitan est à la périphérie et il essaie de voir quel est le moyen par lequel il peut s'infiltrer à l'intérieur du cœur. Il y a plusieurs portes et on verra ces portes-là à la fin. Et lui, quelle est la porte qui est ébréchée par laquelle il peut entrer ? Et le croyant, tant qu'il ferme les portes, tant qu'il s'occupe de ces portes-là pour qu'elles soient solides, il entretient ces portes-là pour qu'elles soient solides, donc il est à l'abri des insufflations sataniques. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal aurait dit « Fi sudur innas », il n'a pas dit « Fi qulub innas ». Et ceci pourrait expliquer les deux versets dont on a parlé la dernière fois, lorsque Allah Azza wa Jal parlait de Adam et de sa femme. Dans un verset dans sourate Al-A'raf, il a dit « Fawaswasa lahuma shaytan ». Fawaswasa lahuma. Et dans sourate Taha, il a dit « Fawaswasa ilayhi ». Donc une fois, il a utilisé « lahuma »,« lahu ». Donc « lahuma », donc les deux, si on dit un, c'est « lahu ». Et dans l'autre, il a dit « ilayhi ». Est-ce que c'est pareil, « lahu » et « ilayhi » ? Certains savants ont dit c'est pareil. « Huruf al-jar lahu ilayhi fi » pareil. « Fi sudur innas » waswasa fi sadrihi waswasa lahu waswasa ilayhi, c'est pareil. Non, on a dit que dans le Coran il faut prendre en compte les petites nuances, il y a forcément une explication à donner. Donc pour ceux qui adoptent ce que je viens de vous dire, ils disent fa waswasa lahuma waswasa lahuma, ça veut dire que le waswasa est rentré dans leur cœur de Adam et de Hawa, et ça veut dire que ils ont pris la décision d'aller manger de l'arbre. Le waswasa s'est implanté dans le cœur. Lorsque Allah a dit waswasa ilayhi, ça veut dire que Shaitan a lancé l'insufflation. Il n'était pas encore pénétré. Il a lancé l'insufflation à Adam. Il n'était pas entré. Lorsqu'il est rentré, il a dit waswasa ilayhima. Vous voyez la différence ? Donc, il a insufflé à eux et il a insufflé en lui. Donc, lorsqu'il a dit il a insufflé à eux, ça veut dire c'est dans leur cœur. Il a insufflé en lui, ça veut dire il a lancé l'insufflation qui était à la périphérique du cœur et ensuite elle s'est installée dans le cœur. Voilà la nuance voilà l'explication par laquelle on expliquerait la différence entre ces deux versets. Alors pour certains savants, les termes le cœur et la poitrine ont un sens purement métaphorique, comme ce qu'on vient de dire. Mais pour d'autres, le cœur et la poitrine, eux, ils parlent dans le sens réel. Ça veut dire quoi dans le sens réel ? Ça veut dire que Shaitan, il est à l'intérieur de la poitrine de chaque être humain. Il est physiquement, il est à l'intérieur de la poitrine. Et eux, ils se sont basés sur quelques récits, mais ce ne sont pas des hadiths, quelques récits qui disent que Shaitan pose son khortoum, pose sa trompe sur le cœur du fils d'Adam. Lorsqu'il est distrait, il lui insuffle par cette trompe-là, donc des mauvaises idées.
Et lorsqu'il se rappelle d'Allah Azza wa Jalla, évoque Allah Azza wa Jalla, donc il retire son, sa trompe. Et il se base aussi sur le hadith où le prophète Azza wa Jalla a dit que le shaitan court dans le corps de l'être humain comme le sang court dans les veines. Donc eux, ils le prennent dans le sens réel, dans le sens réel, c'est qu'il est dans la poitrine. Mais pour d'autres, c'est dans le sens métaphorique. Parce que le cœur, toujours dans le Coran, il a plusieurs significations, mais ça veut dire le noyau de la personne. Ce qui est responsable dans la personne auprès de Allah Azza wa Jalla. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Al-jinna, ce sont, c'est le jinn. Donc on les appelle al-jinn. Ou bien on l'appelle al-jinna. D'ailleurs, le terme, regardez, on parle de jinna, al-janna ou al-junna. Al-junna, ça veut dire la protection. Wa-sawmu junna. Wa-sawmu junna, ça veut dire le jeûne est une préservation, une protection contre les maladies. Sawmu junna. Al-jinna, ça veut dire les djinns. Et al-janna, ça veut dire le paradis ou un jardin qui est. Qui est clôturé. Alors, min al-jinnati wan nas, les savants l'ont expliqué de trois manières. Deux manières, mais la troisième, c'est une autre vision des deux derniers versets. La première manière, ça veut dire quoi, min al-jinnati wan nas? Parce que tout dépend comment on va comprendre ce verset-là, qu'on peut le traduire. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit la traduction, on dit parmi les djinns et les humains. Donc je demande protection auprès de Dieu contre l'insufflation de l'waswas qui souffle dans le cœur des gens parmi les djinns et les humains. Parmi les djinns et les humains. Min al-jinnati wan nas. Dans la phrase, est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est le complément d'objet? On peut le comprendre de deux manières. Première manière, c'est que le diable, souffle dans les cœurs des humains et des djinns. Le diable souffle dans le cœur des humains et des djinns. Ça veut dire que nas, dans ce verset-là, a deux sens. Un sens général et un sens limité. Le sens limité de nas, ça veut dire les humains. Le sens général de nas, ce sont les humains et les djinns. Ça veut dire que Shaitan souffle dans le cœur des de nas. Qui sont nas? Nas, ça englobe les djinns et... Et qui d'autre? Et les humains en arabe. Innas, dans le sens strict. Donc ça veut dire que nas là, c'est à un sens large, et il englobe le sens strict, qui veut dire les humains, et il englobe les djinns. Donc dans ce cas-là, min al-jinnati wan nas, dans la phrase, est-ce que c'est un sujet ou c'est un complément d'objet? Non, c'est un complément d'objet. Shaitan souffle dans nas, parmi lesquels il y a Jinna ou Nas. Donc dans ce cas-là, c'est l'objet, c'est l'adam fa'ul bih. Aum fa'ul fih. D'accord? C'est-à-dire, il souffle dans les deux. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Alors, on va dire oui, mais ça veut dire que les djinns, on les appelle aussi Nas. Certains savants disent oui. Les djinns, on les appelle Nas. Ils font de la catégorie de Nas. Il y a deux catégories de Nas. Il y a les djinns et il y a Nas, qu'on appelle les humains. D'accord? Ils tiennent pour preuve le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Jinn wa annahu kana rijalun mina al-insi ya'uduna bi rijalin mina al-jinni fazaduhum rahaqa. Or il y avait parmi les humains des mâles, al-rijal, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ça veut dire qu'ils disent Allah Azza wa Jalla ici dans ce verset-là, il a cité le terme rijal, les mâles, il l'a attribué aussi bien aux hommes qu'aux djinns. Donc dans ce cas-là, nous aussi on peut attribuer le terme nas aux hommes et aux djinns. Donc voilà l'explication qu'il donne. Mais les savants ne sont pas tous d'accord là-dessus. Même Ibn Taymiyyah par exemple, en l'occurrence, il dit le terme nas dans le Coran, lorsqu'on le suit, ça a toujours voulu dire les êtres humains. Ça ne regroupe pas les deux catégories. Lorsque Allah veut regrouper les deux catégories, dans le Coran, il les a nommés
الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان en faisant référence aux djinns et aux humains. Mais on ne trouve pas un autre terme de nas qui laisserait entendre qu'il englobe aussi les djinns. Donc cette première explication est loin d'être bonne pour une grande partie des savants. Mais certains, bien entendu, l'ont cité. La deuxième signification, c'est que min al-jinnati wa al-nas, c'est le sujet. Ça veut dire qui souffle le mal, qui insuffle le mal. Ce sont les djinns et les humains aussi. Min sharril waswasi al-khannas. Hadhihi al-waswas, c'est quoi? Alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas. Mais qui le souffle? Min al-jinnati wa al-nas. Ce sont les humains et les djinns qui insufflent ce mal-là. Donc là, les humains et les djinns deviennent sujets dans la phrase et non pas complément d'objet. D'accord? On leur dit, mais quelle est la preuve? Ça veut dire, dans ce cas-là, ce qui nous paraît bizarre, c'est que les humains peuvent eux aussi insuffler le mal. Ben, les savants disent oui, l'humain peut insuffler le mal. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal, parfois, il qualifie l'être humain de Satan. Il le qualifie de Satan. Dans un verset, par exemple, Allah Azza wa Jal dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ainsi, à chaque prophète avant nous assigné un ennemi, deux points, des diables d'entre les hommes et les djinns. Donc Allah Azza wa Jalla a qualifié les humains aussi ici de diables, de shayatin. C'est pour ça nous aussi on a l'habitude de dire donc shayatin al-ins, rien la shayatin al-jin. Shayatin des humains sont pires que shayatin des djinns. Donc si Allah Azza wa Jal a qualifié les humains aussi de shayatin, donc ça veut dire qu'eux aussi ils peuvent insuffler le mal. Puisque ce que fait shayatin, shayatin c'est quoi leur travail? C'est l'insufflation du mal. D'accord? Donc lorsque tu vois un être humain qui insuffle le mal aux autres, qui pousse les autres à faire du mal, donc tu peux le qualifier de shaytan. Et il fait le même travail que shaytan. Il fait le waswasa. Donc voilà la signification qui est la plus proche de la raison. C'est que l'Allah Azza wa Jalla est en train de détailler quels sont les sujets, quels sont les auteurs de l'waswasa. Ce sont les humains et les djinns. Les humains et les djinns. Et non pas seulement les djinns. D'accord? Et on verra comment. Alors il y a un autre avis, mais cette fois-ci pas seulement que sur ce verset, mais sur les deux versets. C'est que lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Min sharri al-waswasi al-khannas ladhi yuwaswisu fi suduri an-nas » Certains disent, en fait, « nas » ici, ça ne veut pas dire les humains. Autant les trois premiers termes, « nas »,« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ » là, c'est les humains. « مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوَسَ فِي صُدُورِ النَّاسِ » Ils te disent, ce mot-là, à la base, ce n'est pas « nas », c'est « nasi »,« an-nasi ». Ça vient de quoi? De « nisyan ».« Nisyan », c'est l'oubli. Celui qui oublie, on l'appelle An-Nasi. J'ai oublié, Nasitu. Nasitu, donc, celui-là est à oublier. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je demande protection auprès de Dieu contre le mal de l'insufflation que fait Satan à qui? À ceux qui oublient. Qui oublie quoi? Qui oublie d'évoquer Dieu. Dans ce cas, d'autres leur disent, mais dans ce cas, c'est Nasi. Où est le Y là? Le Ya. On n'est pas le Y. Le Ya, il est où? Là, c'est Fisodori Nas. Où est le Ya? Ils disent, ben, le Ya ici a été éliminé. Et dans le Coran, on trouve certains exemples où le Ya est éliminé, alors que le sens, c'est le sens avec le Ya. Un exemple, Allah Azza wa Jal dit, إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والباد en arabe سواء العاكف فيه والبادي والبادي c'est avec le y avec le ya mais le ya a été supprimé ici mais donc Allah Azza wa Jalla dit donc c'est en sourate al-Hajj verset 25 Mais ceux qui mécroient et qui obsturent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage. Les résidents, c'est les haqif, qui sont dans la masjid al-haram ici donc.
Et le Badi, ça veut dire qu'ils sont de passage dans le Masjid al-Haram. Donc en arabe, normalement, à la base, c'est Al-Badi avec l'ya, mais ici, Allah Azzawajal a enlevé le ya et c'est devenu Al-Bad. Mais le son, c'est avec le ya. Il y a un autre exemple, lorsque Allah Azzawajal, dans Surat Qaf, verset 41, il dit Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. À la base, c'est yawma yunadi al-munadi, ism al-fa'il. Al-munadi, c'est avec le ya. Mais le ya a été supprimé. Mais le son, c'est avec le ya. Donc, c'est ça la preuve que ceux qui adoptent cet avis-là, ils disent. Ils disent donc, الذي يوسوس في صدور على بعض صدور الناس et qui fait ça الجن والناس parmi les djinns et les humains eux c'est le sujet et le complément c'est celui qui oublie c'est ça le complément vous avez compris donc ça aussi c'est un avis mais bon ça reste un avis il y a pas même si on ramène ces deux versets que je vous ai cités il y en a d'autres qui montrent que l'ya peut être éliminé de certains mots mais si on voit toute la sourate Nas ça s'est répété plusieurs fois si c'était Nasi, Allah je aurait mis Nasi avec le Ya mais comment depuis le début jusqu'à la fin on parle des hommes donc là aussi il parle des hommes Fisuduri An-Nas donc c'est le deuxième avis qui est le plus probant alors maintenant répondons à deux questions rapidement. Dans quel domaine Satan applique-t-il son waswas? Alors, il y a plusieurs domaines. Et d'ailleurs, rappelez-vous du cours qu'on a fait sur l'éthique musulmane. On a parlé de tous les mauvais comportements et les portes fragiles dans le cœur des êtres humains par lesquels Satan rentre. Donc, ils sont nombreux. Je vais citer quelques-uns. D'abord, la conjecture et le doute. Ça veut dire que l'être humain est toujours enclin à douter des autres lorsqu'il entend une information les concernant. Tu peux vivre avec quelqu'un des années durant, le connaître des années durant, connaître son comportement, son éthique, sa bonté, sa piété, et dès qu'on te ramène une information mauvaise le concernant, tu commences à douter de lui. Ah, attention, celui-là, il cache son jeu. Et ce que tu as construit comme idée sur lui pendant 20 ans peut-être, ça peut se détruire en 5 minutes. Quelqu'un te ramène une fausse information, une calomnie, ça y est, tu oublies tout. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Et Shaitan utilise cette fragilité-là pour pousser l'être humain à penser du mal des autres, à conjecturer à propos des autres et d'aller encore plus loin. Et alors qu'Allah Azzawajal dit, Ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fa, si un pervers vous ramène une information, vérifiez-la. Attention. Lorsque tu connais quelqu'un, reste sur la base de ce que tu connais de lui. C'est ça la réalité que tu connais sur lui. Tu n'as pas à le mettre en doute. Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi le mi'raj, l'ascension, et qu'il a informé son peuple. Tout le monde l'a démenti. Et Abu Bakr Siddiq n'était même pas au courant. Lorsqu'on est venu le voir, on lui a dit, ben, ton ami, voilà ce qu'il dit. Il est monté dans le 7e ciel, il est allé à Jérusalem. Même si ça paraissait des choses inimaginables, Abu Bakr il a dit Sadaqa in qalaha. Si c'est lui qui l'a dit, il a dit vrai. Vous voyez là, c'est comme ça que les musulmans doivent être entre eux et non pas conjecturer les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, regardez pourquoi c'est Satan qui insuffle ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Safiya, qu'est-ce qu'il a dit à ces deux personnes qui partaient? Qui se sont empressés, il a dit j'avais peur que Shaitan jette dans votre cœur un mal ou quelque chose. Donc ça veut dire que c'est Shaitan qui met la conjecture dans le cœur des gens. Donc il faut faire attention. Le deuxième moyen par lequel il rentre, c'est la précipitation et l'empressement. L'être humain est toujours enclin à se précipiter dans certaines choses, à être toujours pressé. Et dans ce cas-là, il peut dire quelque chose qu'il peut regretter ou agir d'une manière qui n'est pas louable. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan. La réflexion avant d'agir vient d'Allah et la précipitation vient de Shaytan. Donc vous voyez que Shaytan agit aussi sur ce domaine-là. Et on peut tarder là-dessus, mais ce n'est pas le but. La troisième domaine, c'est le ghadab, la colère.
Et l'imam Ahmed rapporte un hadith sur le professeur Asim dans lequel il aurait dit « Inna al-ghadaba min al-shaytan wa inna al-shaytana khuliqa min al-nar wa inna ma tutfa'u al-nar bil-ma fa idha ghadiba ahadukum fa liyatawadda » La colère vient de Satan et Satan est créé du feu et le feu on l'éteint avec l'eau. Si l'un de vous tombe en colère, qu'il accomplisse les ablutions. Ce hadith-là a été affaibli, il est considéré comme faible par plusieurs savants, mais son sens est correct, son sens est valide. Ça veut dire que Shaitan aussi, là où le sens ne peut pas être valide, ça veut dire en faisant le wudu, c'est comme si on a éteint Satan. Mais est-ce que Satan pousse l'être humain à être en colère beaucoup plus que ce qu'il ne doit être? Ça c'est sûr, là c'est sûr. Donc Shaitan aussi entre par la porte de la colère. Il y a l'hirs, l'attachement à la vie mondaine. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos: "Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Satan vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. À chaque fois que tu veux faire une aumône, à chaque fois que tu veux dépenser pour Dieu, Shaitan il te dit: "Attention, tu vas devenir à la pauvreté, tu vas devenir pauvre." Donc Shaitan, attache-toi à l'argent, compte ton argent, multiplie ton argent. Donc forcément, Shaitan va aussi dans ce sens-là. Et parfois, il te pousse à faire, bien entendu, à gagner cet argent par le mal ou à ne pas le dépenser dans le bien. Le cinquième grand domaine aussi, c'est le fait de différer le bien pour plus tard. Ce qu'on appelle teswif, chaque fois de dire « oui, je ferai plus tard ça ». Et le tagrir, le fait de se tromper dans un domaine où le bien est clair. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, il parle des gens qui seront dans l'enfer lorsqu'ils parleront aux gens du paradis. Ces derniers vont leur dire donc plusieurs choses. Après, ils vont leur dire: "Wagharratkum al-amaniyu hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur." Al-gharur, c'est le shaitan. Donc, et de vains espoirs vous ont trompé. Vous avez suivi des espoirs, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais arriver à ça. Et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah et le séducteur, Allah Azza wa Jalla l'appelle le séducteur, le shaitan, et le séducteur vous a trompé au sujet d'Allah. Il y a aussi le domaine de l'orgueil, de l'kibr, il y a le domaine de l'ostentation, de riya, il y a le domaine de la jalousie, de l'hasad, on reviendra sur la jalousie lorsqu'on parlera de surat al-falaq, etc. Donc là je vous ai cité seulement quelques domaines. Ce sont des domaines à travers lesquels ce sont des faiblesses chez l'être humain qui sont exploitées par Shaitan afin de les garder. Maintenant, comment l'être humain accomplit l'insufflation? Donc on a dit que ceux qui accomplissent l'insufflation, c'est Shaitan, et enfin Shaitan, ça peut être un être humain ou bien un djinn. L'waswasa des êtres humains est peut-être plus grave que l'waswasa de Shaitan, parce que Shaitan, c'est vrai qu'il accomplit l'waswasa, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et heureusement qu'on ne le voit pas. Dieu déjà nous a donné un grand bienfait lorsqu'il a caché Shaitan de nous. Parce qu'imaginez s'il était en train de... s'il pouvait apparaître devant toi ou venir tout gentil, te parler d'une manière gentille. Et certains savants d'ailleurs disent que lorsque il a dit à Adam « Inni lakuma minas salihin » à Adam et à Hawa « Inni lakuma minas nasihin » « Je suis un vrai conseiller pour vous » Certains disent qu'il était physiquement devant eux, il leur parlait directement, pour certains. Et donc là, bien entendu, l'influence va être plus forte, s'il est visible. Et c'est le cas de l'être humain. Et l'être humain peut être plus grave au niveau des insufflations, surtout lorsqu'il est un compagnon de son interlocuteur, lorsqu'il est ami, par exemple, de son interlocuteur, ou lorsqu'il fréquente énormément son interlocuteur. Donc là, l'influence peut être grave. Et on le voit d'ailleurs beaucoup chez la jeunesse. Les jeunes, tu peux trouver un jeune qui a été bien éduqué, bien élevé, bien imprégné par la religion et tout. Il arrive à l'adolescence, à cause de certaines mauvaises fréquentations, à cause de certains mauvais amis, alors que lui, il croit que c'est des bons amis, il commence peu à peu à lui insuffler du mal. Fais ceci, mais t'es pas un homme, t'es pas ceci si tu fais pas cela. Et de fil en aiguille, on commence à... Dans le domaine, par exemple, de la drogue, ça commence par une cigarette, après ça, au fur et à mesure, ça le shit, et après ça, c'est les drogues dures. Dans le domaine des filles, c'est exactement la même chose, ou les filles avec les garçons. Donc, on sait tout ça. Donc, l'homme, justement, est peut-être pire que Shaitan. Mais dans tous les cas, Shaitan utilise l'homme pour qu'il insuffle le mal à d'autres hommes.
Donc, derrière tout, bien entendu, il y a le shaitan. Mais il n'y a pas pire que l'ami, le mauvais ami, le mauvais conseiller pour égarer l'être humain. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple, dans le hadith rapporté par le Bukhari, l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du parfum et du forgeron. Pour le vendeur du parfum, ça veut dire lorsque tu t'assois avec quelqu'un qui vend le parfum, soit il va t'en donner, donc il va te donner quelque part gratuitement, soit tu vas lui acheter, soit au moins tu pars de chez lui avec une belle odeur, une bonne odeur, parce que ça sent bon chez lui. C'est ça le bon compagnon. En revanche, le forgeron, soit il brûle, il va te brûler, il va brûler tes habits, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Soit il va te brûler, soit en revenant de chez lui, tu vas sentir une mauvaise odeur. Et donc, c'est là où le musulman doit se préserver, c'est surtout des mauvaises fréquentations, des mauvais compagnons, des mauvais amis, parce que c'est d'eux que vient l'insufflation. Et regardez ce que dit Allah Azza wa Jalla à ce propos. « وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا » Le jour où l'injuste mordra sa main en disant « J'aurais dû suivre le chemin du messager. Je n'aurais pas dû suivre le chemin d'un tel, ça veut dire de mon ami, parce qu'il m'a égaré du rappel alors qu'il m'est parvenu auparavant. » Et Shaitan a toujours, ne cesse d'égarer l'être humain. Donc, faisons attention à Shaitan et faisons attention aussi à l'être humain par cette formule qui est toujours A'udhu billahi mina Shaitan. C'est ça la formule. قل أعوذ برب الناس c'est ça, c'est de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ou bien أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Donc les formules peuvent changer, mais c'est toujours l'isti'ada, c'est celle-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est celle qui est la plus célèbre. Ou bien أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, ça fait référence وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. Donc tu dis A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Toutes celles-ci sont des formules qu'on peut utiliser dans l'isti'adha, et le musulman ne doit jamais l'oublier. À chaque fois qu'il voit qu'il y a une mauvaise idée qui est passée par lui, qu'il dise A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, qu'il dise Bismillah, qu'il lise du Coran, qu'il fasse une prière, en tout état de cause, qu'il fasse quelque chose, qu'il le lie à Allah Azza wa Jal, afin que Satan devienne vraiment yakhnas, hatta yakhnas ash-shaytan, pour qu'il recule et qu'il disparaissent. Donc voilà un petit peu, on a dit un maximum autour de cette sourate, et inchallah la prochaine fois on essaiera de commencer sourate Al-Falaq. Mais avant cela, quelques frères ont proposé de par exemple, en passant d'une sourate à l'autre, consacrer une séance rien que pour répondre à vos questions. Donc si vous souhaitez que la semaine prochaine on la consacre aux réponses aux questions, donc maintenant qu'on a fait 4 séances, on peut le faire, ça permettra un peu de reposer. En même temps, ça vous permettra aussi de poser les questions qui vous intéressent directement. Donc pour ce faire, ceux qui ont des questions, ils peuvent soit me les donner directement, soit les donner au frère Rachid, soit les mettre dans les boîtes qui sont à l'entrée de la mosquée, chez les hommes ou chez les femmes. S'il y a assez de questions, donc on consacrera, Inch'Allah, le mercredi prochain à la réponse à ces questions. S'il n'y a pas assez de questions ou il n'y a pas du tout de questions, donc dans ce cas, on abordera sourate Al-Falaq. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.